Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Merci aussi à ceux, je pense assez nombreux, qui nous écoutent à distance. Alors, je voudrais aussi remercier le service recherche de l'INSPE, Florène, Dorina et Caroline, en particulier Caroline De Sombre, qui a permis l'organisation de cette demi-journée de conférence. Donc on va vous présenter des travaux sur les apprentissages mathématiques primaires. D'abord avec Michel Fayol, qui est donc professeur émérite à l'Université de Clermont, qui est rattaché au labo de l'APSCO CNRS, qui vous parlera en premier pour aborder les questions des apprentissages en maternelle, avec notamment une recherche, les ours. Et puis ensuite, vous aurez donc Ingrid Clarac, conseillère pédagogique, qui est doctorante également avec moi et Michel. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Bruno Villette, donc professeur à l'Université de Lille. Voilà, alors merci encore. Je pense que je vais laisser tout de suite la parole et puis je vais laisser travailler ma doctorante pour lui présenter la recherche sur la résolution de problèmes. Mais je vais d'abord laisser à Michel. Je pense que j'ai... ça va ? Oui, ça va aller. J'ai besoin de chrono. Tu as besoin de... D'un évaluateur du temps. Je suis là. Oui. Ça va être compliqué. Très bien. Bien. Faire comme les ministres. Où sont les caméras? Très bien. Mesdames, messieurs, bonjour. Bruno vient de vous dire qui je suis. Avant de commencer l'exposé concernant ce premier document, puisqu'il y en aura deux, je voudrais simplement vous dire que ces deux programmes, et même un troisième qui porte sur la notion d'équivalence et le signe égal, dont on ne parlera pas aujourd'hui, ces deux programmes reposent sur une problématique unique qui est la suivante. Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on décrit beaucoup la façon dont les élèves, les enfants, évoluent. Cette évolution, elle est le produit d'un double mouvement. Il y a une partie maturation sur laquelle on n'intervient pas vraiment. On ne sait pas vraiment comment on pourrait d'ailleurs intervenir. Et puis une partie socialisation. Et dans cette socialisation, il y a ce que font les sociétés et dans les sociétés, notamment l'école. On a tendance, là. Pardon. On a tendance à considérer que ce qui est décrit représente une sorte de trajectoire fixée, inévitable, et donc c'est une sorte de réification du monde. Ça peut vous paraître banal comme propos introductif, mais ça correspond très exactement à ce qui a motivé les travaux qui vont vous être présentés. Donc, on peut dire que depuis une trentaine d'années, on a présenté ces trajectoires, ce développement, cette évolution, quelle que soit la façon dont vous l'appellerez, comme étant quelque chose qui est bien établi et voilà, le monde est comme il est. Et il me semble que le travail des enseignants, comme le travail de tous ceux qui interviennent, nécessite une autre approche. Cette autre approche, c'est de considérer que les choses sont ce qu'elles sont tant qu'on n'essaie pas de les modifier. Or, le travail des enseignants, c'est précisément de viser l'amélioration des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être pour les enfants
ou pour les adultes quand ils se préoccupent de la formation des adultes. Et donc les deux programmes qui vont vous être présentés ont cet objectif, c'est-à-dire qu'ils partent l'un et l'autre de situations qui sont très bien décrites dans la littérature scientifique. Et à partir de ces situations, les questions qui sont posées, c'est que pouvons-nous faire pour que les choses bougent et qu'elles bougent dans le sens d'une amélioration des performances. Dans le cas présent, nous allons vous parler de mathématiques, mais on pourrait poser exactement les mêmes questions dans le champ de la lecture, de la production écrite, de l'orthographe, de l'éducation physique, de l'éducation artistique. Et contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, cette façon de poser les questions est relativement rare. C'est-à-dire que les travaux sont plutôt des travaux qui décrivent le monde comme s'il était fixiste, hein, pré-darwinien, si vous voulez, alors que les points de vue que nous allons développer sont des points de vue très différents. Voilà, c'est l'introduction générale. Donc, dans le cas présent, moi, je vais vous parler d'un exemple qui s'enracine dans les... Pardon, il faut que j'arrive à faire à peu près ce que je veux. Qui s'enracine dans plusieurs constats. D'abord, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi qui suis beaucoup plus âgé que vous, toutes et tous, j'ai vécu un monde dans lequel on allait faire les courses, on achetait à l'unité, on payait en monnaie, on rendait la monnaie, c'est-à-dire la manipulation des quantités faisait partie de la vie quotidienne des enfants. Vous, vos enfants, vos parents sans doute aussi, manipulent très peu les quantités. D'une part, ils paient avec des cartes bancaires. D'autre part, ils n'achètent presque plus à l'unité. Les yaourts s'achètent par bloc de 12, les pommes par quantité de 6 ou de 4, etc., etc. Autrement dit, nous avons un monde dans lequel vos enfants et vous-même, mais pour vous, ce n'est pas très grave, parce que vous êtes là, vous avez compris comment ça marche. Mais pour vos enfants, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un monde dans lequel la notion de quantité et même la notion de grandeur sont des notions qui sont évanescentes, sont peu lisibles, sont peu utilisées. Et en même temps, vos enfants sont confrontés à des symboles qui sont systématiquement utilisés. Par exemple, vous avez toutes et tous des fours à micro-ondes, vous avez toutes et tous des montres digitales, vous avez toutes et tous des lave-vaisselle peut-être, et les affichages sont systématiquement symboliques, c'est-à-dire avec des chiffres indo-arabes dont la signification pour vous est établie, mais pour eux est à établir. C'est pour ça que je parle d'un monde qui est sans quantité, mais qui est rempli de symboles. Et tout le problème de vos élèves ou de vos enfants, c'est d'arriver à mettre du sens derrière ces symboles. Ça, c'est un point très important. Et si vous regardez, il y a très peu de journaux ou de médias qui font état de ce point, alors qu'il est essentiel. Il y a 50 ans, la situation n'était pas celle-là. Et c'est devenu très rapidement une situation extrêmement abstraite. Donc, d'un certain point de vue, je pourrais presque dire que l'école s'est trouvée en position de se substituer à la vie courante pour initier les élèves à la notion de quantité et à la relation entre quantité et symbole. Et comme vous verrez, c'est en grande partie ce qui est fait. La deuxième chose, c'est que les évaluations internationales ou nationales dont vous entendez parler ont fait prendre conscience à notre société qu'il y a d'immenses inégalités et que malheureusement, d'une part,
La France est un pays très inégalitaire, un des plus inégalitaires au monde, du point de vue des résultats de ces évaluations, et le système scolaire qui est le nôtre ne réduit pas ces inégalités. Alors qu'on aurait pu penser que l'éthique républicaine et les idéaux qui sont ceux des Lumières, qui sont fondateurs de l'école républicaine, conduiraient à des résultats que d'autres pays obtiennent. La Finlande, par exemple, les pays nordiques, et que nous n'obtenons pas, bien au contraire. Et donc, une des questions importantes, c'est comment peut-on et pouvons-nous réduire ces inégalités ? Si vous suivez le raisonnement que j'ai tenu tout à l'heure, vous direz que probablement que oui, sinon je ne serais pas là pour essayer d'en parler. Comment faire ? Vous voyez, le système est tel que les inégalités, nous en entendons parler depuis 50 ans. Depuis 50 ans, nous savons que la France est un pays inégalitaire et nous n'avons absolument pas progressé dans la réduction des inégalités. Et donc, si nous voulons essayer d'améliorer, de faire que cette situation évolue positivement, il faut que nous nous demandions comment procéder. L'une des voies qui est en train de devenir très acceptée et très acceptable, alors que pendant très longtemps, elle n'a jamais eu la possibilité de se développer, c'est le rapprochement avec la recherche. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui repose sur une tentative pour rapprocher la recherche et l'enseignement, en se posant des questions que vous voyez en bas, sur quoi est-ce qu'on peut intervenir ? Pas tout, c'est impossible. Comment est-ce qu'on peut intervenir et quand ? Alors, moi je vais traiter de l'école maternelle et des mathématiques pour les petits, et Ingrid, tout à l'heure, vous parlera de la résolution de problèmes, mais avec la même démarche, c'est-à-dire en s'appuyant sur des résultats de recherche pour ensuite les dépasser et aller vers quelque chose qui serait une amélioration. Alors, très, très rapidement, la recherche a fait apparaître depuis un certain nombre d'années des choses qui n'étaient pas immédiatement visibles. D'abord que les performances des enfants jeunes, très jeunes, 4 ans, 5 ans, sont prédictives des performances ultérieures de ces mêmes enfants, 15 ans. Donc, vous voyez, plus de 10 années plus tard. Alors, ce n'est pas aussi systématique ni simpliste que je viens de le dire, mais il y a un fond de vérité. Et donc, ça pose tout le problème de changer en partie ça. C'est-à-dire de faire que ce ne soit pas un déterminisme, mais quelque chose qui permette d'aller au-delà. La deuxième chose qui est apparue, c'est que, alors qu'il y a 50 ou 60 ans, quand j'ai commencé à enseigner, tout le monde disait que le langage était la principale marque d'inégalité parmi les enfants et que le langage était très fortement associé au milieu social d'origine. Je ne vous apprends rien, c'est écrit dans tous les livres depuis bien longtemps. Ce qui est totalement nouveau, c'est que ce qu'on pensait vrai du langage et seulement du langage est attesté en ce qui concerne les mathématiques. Autrement dit, dès l'âge de 3 ans, c'est quand même très jeune, on observe qu'il y a des différences associées au milieu social concernant des comportements de comptage, de dénombrement, etc. Autrement dit, les inégalités de performance ne sont pas seulement langagières, elles sont aussi associées au concept mathématique. Et puis, ce qu'on montre et qui est alors porteur d'espoir, c'est que nous comprenons beaucoup mieux comment les choses se passent et comment on peut viser une appropriation progressive par les enfants
des principales propriétés du nombre, des principales difficultés en résolution de problèmes, et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer. Voilà, donc, peut-être un dernier point, c'est que dans les idées qui sont les nôtres, dans l'idéologie qui est la nôtre, il y a cette idée que les mathématiques, la mathématique, est quelque chose d'homogène, et qu'on serait, vous voyez, bon, faible, très bon, très faible, mauvais, etc. En mathématiques, en fait, les travaux dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas la mathématique, mais des sous-domaines des mathématiques, et que ce serait une illusion de penser qu'en intervenant sur un sous-domaine, alors, en induisant une amélioration dans ce sous-domaine, on pouvait espérer un transfert, une généralisation aux autres. Et ça n'est évidemment pas vrai. On peut être à la fois très faible dans un sous-domaine et très bon dans un autre. Et c'est un véritable problème pédagogique, puisqu'on ne peut pas penser l'intervention dans le domaine des mathématiques comme étant une intervention qui pourrait porter seulement sur un des sous-domaines. Voilà, donc je vais aller très vite pour vous dresser une sorte de bilan très rapide de ce que nous savons en recherche concernant l'acquisition du nombre. L'acquisition du nombre a été très très bien étudiée depuis une trentaine d'années et elle fait apparaître des choses qui sont un peu paradoxales. Par exemple, les êtres humains en général, les enfants en particulier, savent très vite apprendre les noms de nombres et sont très vite capables de les réciter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, les grands-parents qui demandent à leurs petits-enfants « Montre-moi jusqu'où tu sais compter. » Et évidemment, tout ceci, on l'observe dans tous les pays. Il y a des pays où ça va beaucoup plus vite, des cultures, pardon, dans lesquelles ça va beaucoup plus vite que dans d'autres. Par exemple, en Chine, les enfants savent très vite compter jusqu'à 100, parce que c'est une propriété du système langagier chinois. C'est vrai aussi en Corée. C'est pas vrai du tout en France, c'est pas vrai aux États-Unis, c'est pas vrai en Angleterre, parce qu'on a des systèmes linguistiques très irréguliers. Mais qu'on soit en Chine, ou qu'on soit en France, ou qu'on soit aux États-Unis, c'est une illusion complète de penser qu'il s'agit d'un savoir mathématique. Il s'agit d'un savoir verbal, et le fait que les enfants sachent réciter les noms de nombres dans l'ordre, parfois sans se tromper en allant jusqu'à 20 ou 30 ou au-delà, ne nous dit rien de leur connaissance concernant le nombre, les quantités et les relations entre les deux. En fait, ce que montre la recherche, et je vais l'illustrer dans la diapositive suivante, c'est que nous avons affaire à un processus extrêmement lent, pour des apprentissages qui, dans d'autres domaines, sont extrêmement rapides. Vous savez, nous savons tous ici que l'apprentissage du langage est exceptionnellement rapide, que les enfants savent très vite dénommer ce qu'est une table, ce qu'est une chaise, ce qu'est un chat, etc. Et tout ceci à très grande vitesse et avec une très grande réussite. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas du tout le cas en ce qui concerne la connaissance, non pas de la chaîne verbale des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, mais de la relation entre des symboles verbaux, 1, 2, 3, et des quantités, ce qui est la base de l'arithmétique ou des mathématiques. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà ce que nous savons à peu près bien, parce que c'est un résultat qu'on obtient à peu près dans toutes les cultures du monde, avec des variations relativement minimes, et pour des enfants issus de la classe moyenne, plutôt favorisée. Voilà. Comme vous voyez,
C'est vers 2 ans et demi que l'association entre le mot « un », alors c'est un peu plus tard au Japon pour des raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ici, c'est vers 2 ans et demi que la notion de « un » est à peu près disponible. La notion de « deux » n'est pas immédiatement disponible. Il faut attendre un peu, parfois au moins 6 mois, parfois un peu plus, peut-être avec certains enfants un peu moins, vers 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est seulement vers 3 ans et demi, 4 ans, que les notions de 3, puis la notion de 4, vont être disponibles. C'est extrêmement lent. Je vous dis, si vous voulez repérer la lenteur de ces processus, il faut que vous compariez ça à ce qui se passe pour l'apprentissage des mots table, chaise, chien, etc., qui sont acquis à grande vitesse par les enfants. À partir de 5, 4, 5, il semble se passer quelque chose d'un peu différent. Tout se passe comme si, au moins certains enfants, et au moins pour 5, 6, 7 peut-être, les enfants semblent comprendre que quand on ajoute un, on a le nom de nombre suivant. Quand on enlève un, enfin, quand on compte en arrière, alors on a une quantité inférieure. Bref, il semble qu'ils commencent à comprendre la relation de succession entre les noms de nombres et les quantités. Ils commencent à comprendre, car on a cru il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, qu'ils étaient capables de généraliser, et ça ne semble pas être le cas. Autrement dit, le fait qu'un enfant ait compris que « Ah, quand j'ai 6, si je retire 1, alors j'aurai 5 », ne se généralise pas à « Ah oui, mais j'ai 8, et si j'enlève 1, alors ça fera 7 ». Vous voyez, un peu comme si, pour ses débuts, les apprentissages étaient ce qu'on appelle dans notre jargon à nous « localisés » et pas généralisés. La généralisation va évidemment survenir, mais elle va surtout survenir à l'école élémentaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Et pour l'instant, comme il est écrit en bas de cette diapositive, on ne sait pas grand-chose des effets des interventions. On a quelques recherches, mais vraiment très rares. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Mais avant, je voudrais que vous reteniez l'idée qu'il y a derrière la notion de nombre, de dénombrement, de quantité, toutes ces notions, 3 notions de base. La première notion, c'est la notion de cardinalité. Cardinalité, ce n'est pas une propriété comme la couleur ou la forme. Ça n'appartient pas aux objets, mais ça appartient aux collections d'objets. Et de ce fait, c'est une notion très abstraite. Comprendre que 3, ça s'applique aux étoiles, loin, aux voitures, grosses, aux fourmis, toutes petites, aux arbres, c'est quelque chose de compliqué. Et précisément, ce qui caractérise l'apprentissage par les enfants de la notion de cardinalité, c'est le fait que pour eux, il y a pendant très longtemps une sorte d'adhérence, hein, Henri Vallon aurait dit quelque chose comme ça, d'adhérence entre la quantité et des propriétés telles que la couleur, telles que la forme, plus encore telles que la disposition spatiale. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont fréquenté un peu Piaget, tout le problème de la conservation du nombre reposait sur cette espèce de contagion entre la cardinalité et puis la disposition spatiale selon que les jetons étaient resserrés ou distendus, au contraire. Et donc, si vous voulez, cette notion de cardinalité, on suspecte qu'elle puisse évoluer, c'est-à-dire devenir abstraite, à travers la correspondance terme à terme, d'une part, et à travers les compositions et décompositions. Nous verrons ça tout à l'heure. Deuxième notion, très importante, l'ordinalité. En fait,
on n'a pas le temps de discuter ça aujourd'hui, mais même pour les mathématiciens, il y a eu une discussion entre ceux qui ont essayé de fonder le nombre sur la cardinalité et ceux qui ont essayé de le fonder plutôt sur l'ordre de succession des symboles. Et ici, l'ordinalité, nous allons l'entendre au sens où on a un ordre de succession et pour ça, on a une propriété qui est une propriété caractéristique des systèmes de numération culturels, dans les langues qui en ont un, c'est la notion de successeur. C'est-à-dire à chaque élément ajouté, eh bien, on avance de 1 dans la chaîne des symboles. Et c'est ce qu'on appelle le principe du successeur ou du prédécesseur. Ce principe ne semble pour l'instant plutôt quelque chose d'assez tardif, mais on n'a jamais vraiment essayé de l'appliquer au tout début de la quantité. Et donc vous verrez, nous avons décidé de changer cela. Et puis, la dernière notion, c'est la notion de transformation. Ne vous y trompez pas, on aurait pu écrire opération, sauf que les opérations, c'est des mathématiques, alors qu'ici, on parle de changement dans les quantités ou dans les grandeurs. Et donc, vous montrerez comment on a travaillé ceci. Voilà. Alors, pour travailler ces trois notions, cardinalité, ordinalité, transformation, nous avons élaboré un programme qui est un programme ludique, mais en même temps un programme qui n'est ludique que pour les enfants. C'est-à-dire pour les enseignants qui le pratiquent et pour nous qui l'avons élaboré, c'est un programme extrêmement sérieux puisque le choix même des ours, il est lié au fait que en choisissant une famille ours qui évolue, nous nous sommes donné les moyens de travailler en parallèle les trois notions que je viens d'évoquer. La notion de cardinal, puisque la famille évolue et que quand elle évolue, comme c'est une famille et qu'elle vit, même si c'est ludique, elle a besoin de plus d'assiettes, elle a besoin de plus de fourchettes, de couteaux, de lits, d'armoires, de ballons. Vous voyez, le cardinal va augmenter au fur et à mesure que la famille grandit et il va augmenter avec des entités très différentes les unes des autres. Vous voyez, le lit, la fourchette, l'orange, les habits. Tout ça va contribuer à impulser, en quelque sorte, une notion abstraite de cardinal. Dans le même temps, comme c'est une famille et comme ceux qui vont arriver seront forcément plus petits que leurs prédécesseurs, on va pouvoir tout de suite voir, faire percevoir et faire conceptualiser, en tout cas on l'espère, la notion d'ordre, de successeur et de prédécesseur. En quelque sorte, on se donne les moyens de mener de front ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire une initiation au cardinal et à l'ordinal. Et puis, évidemment, comme quand on est à table et qu'il y a quatre personnages et qu'il y a seulement trois assiettes, il faut aller en chercher une autre. Donc il faut percevoir qu'il faut aller en chercher une autre, il faut aller la chercher, n'en ramener qu'une, parce que sinon, on serait, etc. Vous voyez, c'est très facile. Et on va donc pouvoir travailler directement les transformations. Alors on les travaillera, comme vous verrez, à la fois à travers ces jeux et à travers des systèmes, je dirais, un peu plus proches de ce qu'on appelle des exercices. Voilà. Et nous allons travailler, alors peut-être c'est un des points les plus importants, c'est très bien, c'est un des points les plus importants, nous allons travailler sur trois dimensions psychologiques.
À l'école maternelle, vous avez toutes et tous entendu, et à l'école élémentaire aussi, qu'il faut faire manipuler. Alors on fait manipuler. Sauf que la manipulation n'est pas une conceptualisation. Et le passage entre manipuler et conceptualiser, c'est un passage qui passe par quelque chose qui va du perceptif ou du moteur, si vous voulez, manipuler des fourchettes, des couteaux, des bicyclettes, des casquettes, tout ce que vous voudrez. Mais il faut pouvoir, à un certain moment, ne plus manipuler perceptivement, mais manipuler dans sa tête, dans l'esprit. Et ça, c'est ce que nous avons appelé le recours à la mentalisation, qui peut être, point très important, immédiat. Quand on a perçu, on peut cacher et puis demander de s'imaginer, de se représenter ce qui a été caché. Mais on peut différer dans l'espace en allant chercher, dans le temps en revenant le lendemain, beaucoup plus longtemps encore, semaines, mois. Bref, il s'agit d'inscrire dans la mémoire à long terme, je suis psychologue, et il faut bien à un moment se détacher de la perception, passer à la mémoire immédiate, qui a ses propriétés, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il faut en tenir compte, et puis il faut que ce soit consolidé en mémoire à long terme, c'est-à-dire évocable quand on en a besoin, ce que vous faites couramment sans même vous en rendre compte, et puis on passera au codage. Alors attention, le code, c'est un produit culturel qui a mis des millénaires à s'établir, et donc n'allez pas penser qu'il suffit de le prononcer une fois ou deux, ou de le voir écrit une fois ou deux, pour qu'il soit mis en relation avec les quantités. Les codes, on peut distinguer entre des codes, je reviendrai, qu'on appelle analogiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code analogique ? C'est un code qui conserve un certain nombre d'aspects qui ressemblent à ce qu'on peut percevoir. C'est facile. Ce sont des codes qui conservent la quantité. Vous avez les doigts, vous avez les réglettes, vous avez les dominos, vous auriez les dés, vous avez les abacs aussi dans certains pays, dans certaines cultures. Ça, ce sont des codes analogiques. Et donc, ce sont des codes sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'ils sont plus faciles du point de vue de la perception et de l'évocation. Et puis, vous avez les codes symboliques qui sont les codes nom de nombre et les codes indo-arabes. Très différent. Ceci, c'est du semi-concret, si vous voulez. En tout cas, ça conserve un certain nombre de propriétés perceptives, alors que les noms de nombres et les chiffres arabes ne conservent aucune des caractéristiques de la perception. Ce sont des notions abstraites. Et donc, ce sont des notions difficiles pour aller vite. Ce n'est pas tout à fait la même chose du point de vue du traitement cérébral. Vous voyez, le traitement des symboles va passer par des zones préfrontales, alors que les traitements analogiques vont plutôt passer par des zones comme le cortex occipital ou le cortex pariétal. Et il va falloir mettre ça en relation, ce qui va poser un certain nombre de problèmes de conception, puis de consolidation, puis d'évocation. Alors, je reviens en arrière, juste pour vous dire, voilà, ça c'est ce que je viens de vous présenter, le matériel concret, c'est tout ce qu'on manipule, surtout, n'allez pas penser que la manipulation, parce que vous l'avez faite effectuer, parce que les enfants l'ont faite, cette manipulation va conduire à l'abstraction. Non, le chemin est long, de la manipulation vers l'abstraction. Il passe notamment par le matériel analogique, la mentalisation, et puis c'est ensuite et ensuite seulement qu'on aboutit aux symboles et à leur caractère abstrait. Voilà. Je vous donne des exemples
d'activités. Et ces exemples ont été regroupés par Ingrid, qui est là. Vous voyez, il y a la perception, elle peut être visuelle, elle peut être auditive, hein, des pièces qui tombent dans un récipient et qu'on ne voit plus quand elles y sont et qu'il faut néanmoins dénombrer. Elle peut être tactile, quand vous avez un sac et qu'à l'intérieur de ce sac, vous avez des objets et que vous devez trouver combien il y en a, ou en tout cas trouver le domino qui est capable d'illustrer combien il y en a, simplement à partir du toucher. Vous avez la mentalisation et vous avez la symbolisation. On va revenir sur des illustrations à propos de ça. Vous aurez hein, ce document, il sera disponible. Voilà. Donc, vous avez vu ici l'essentiel. Il y a sur ce document des illustrations, vous voyez, sur la notion de cardinalité. Alors, par exemple, bon, j'ai déjà dit ça, vous avez les situations perceptives possibles. Plus vous utiliserez des situations différentes et plus vous accroissez la probabilité que les enfants construisent une notion abstraite. C'est-à-dire, c'est pas pour s'amuser qu'on leur fait faire du tactile ou de l'auditif, non. Ça, c'est pour eux. Peut-être que ça les amuse, j'espère, mais pour vous, l'objectif, c'est pas ça. C'est aller vers l'abstraction, et l'abstraction, c'est le plus possible d'éventail de situations de manipulation et de conceptualisation. Donc ici, quelques éléments avec les relations verbales qui correspondent, car on a montré que ce qui importe pour les relations entre langage et mathématiques, ça n'est pas le langage de la vie courante, c'est le langage spécifiquement associé aux quantités ou à l'ordinalité. Autant, un terme très peu utilisé qui pourtant est fondamental, moins de plus de données, enlever, etc. Tout ce lexique est un lexique dont on peut montrer que les parents qui l'utilisent ont des enfants qui se l'approprient mieux, ce qui explique une partie des différences de milieu social. Et on peut montrer aussi que quand les enseignants utilisent systématiquement ce lexique ou ces expressions, alors les élèves s'approprient ces expressions sans même qu'on ait besoin de leur dire de les répéter, simplement par acculturation. Ça s'appelle des apprentissages implicites. Ici, nous avons il faut que vous sachiez que Ingrid et ses collègues ont élaboré des petits films. On n'a pas le temps de les voir aujourd'hui, mais ils peuvent être, en tout cas, ils pourraient contribuer à votre formation un jour ou l'autre. Si vous le souhaitez, des formations spécifiques pourront être dispensées à ce sujet-là. Voilà. Et donc, nous avons opté dans le travail qui va vous être présenté pour un apprentissage très lent, ça c'est les produits de la recherche, très progressif. L'acquisition du nombre, c'est un escalier, on ne peut pas atteindre 6 si on n'a pas atteint 5, et avec, en travaillant en petites sections sur les quantités de 1 à 3, même si ça vous paraît extrêmement faible, je pourrais vous montrer que la quantité 3 n'est pas une quantité maîtrisée par la plupart des enfants de 3 ans. C'est-à-dire quand ils arrivent en petite section maternelle, le premier travail c'est de consolider 1, consolider 2 et de faire découvrir et apprendre et utiliser 3. Peut-être 4 pour les enfants issus des milieux les plus favorisés. Et puis en moyenne section, on ira de 3 à 6, et donc en veillant d'abord à ce que 3 soit consolidé. Et puis en grande section maternelle, alors on ira entre 6 et 10, 12. Voilà. Et toujours avec le même travail, percevoir, mentaliser, symboliser, ce qui occupe très largement l'emploi du temps. Voilà, vous trouverez un exemple sur 1 à 3 avec, il me reste combien de temps?
Monsieur le professeur Villette, merci beaucoup. Voilà. L'ordinalité, vous avez un exemple ici, vous voyez le travail à gauche sur des manipulations avec des vrais objets, des entités ludiques, mais des entités. Vous avez ensuite le travail sur de l'analogique, et puis vous avez enfin le travail sur les symboles, avec, vous voyez, des multiples situations. On va faire ordonner, mettre en ordre des assiettes, des bicyclettes, etc., tout ce que vous voulez. Vous avez la démarche, et on termine par les symboles, et la mise en ordre de symboles, c'est d'un niveau extrêmement élevé par rapport à la mise en ordre de représentations analogiques comme les dominos ou les dés. Et donc, ne pensez pas qu'on va arriver très vite de l'analogique au symbole. Il va falloir du temps et il y aura forcément des erreurs et des difficultés. Par exemple, vous avez des épreuves de mise en ordre. Et très bonne nouvelle pour nous tous ici, c'est que le travail sur la mise en ordre peut porter aussi bien sur, vous voyez, des illustrations comme des bougies, les différentes actions d'un chien qui se baigne ou les tailles d'individus. Autrement dit, toute cette notion d'ordinalité, il est possible de la faire travailler avec d'autres sous-domaines et la probabilité n'est pas nulle que le travail et les progrès sur ces sous-domaines puissent irriguer en quelque sorte le travail sur l'ordinalité numérique. Vous avez toute une série de références qui montrent ça. Voilà, vous avez des épreuves de mise en ordre, hein. Alors déjà un peu analogique ou déjà totalement symbolique, voilà, avec des tâches qui peuvent être des tâches de production, mettre en ordre, et des tâches de jugement. Est-ce que c'est en ordre? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit en ordre? Voilà. Et dernier point, les transformations. Alors, comment travailler les transformations? Bon, de la même façon, on va travailler toujours en résolution de petits problèmes. On va utiliser, alors, comme il est écrit en haut de cette diapositive, c'est un prototype, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des tirelires, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, des caisses de jouets. Ici, ce qui est important, c'est d'abord faire constater une quantité, la dissimuler et la faire reproduire. Première étape. Et puis, deuxième étape, transformer cette quantité en ajoutant ou en retirant. Les élèves voient ou les enfants voient ce qu'on retire ou ce qu'on ajoute, mais ils ne voient pas le résultat. Et donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mentalisent ce qui s'est passé et qu'ils soient capables de produire avec un matériel quelconque ou avec des dominos ou des dés le résultat. En quelque sorte, on force les enfants ou les élèves à mentaliser ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on peut le faire avec les doigts, on peut le faire. Vous aurez ici, si vous le souhaitez, Ingrid et ses collègues ont élaboré toute une série de petites vidéos sur des gestes professionnels qui sont associés à tout ce que je viens d'évoquer. Et donc, il sera possible pour vous, si vous le souhaitez, de voir ces documents, de vous familiariser avec les gestes correspondants. Voilà. Alors, je ne vais vous vendre aucun manuel, aucun matériel, mais mon propos maintenant, ça va être de vous dire tout ce que je vous ai présenté ici, nous l'avons évalué. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec des vrais élèves, dans des vraies classes, et avec l'idée d'évaluer dans quelle mesure ce qui a été mis en place à une efficacité. Sinon, on pourrait vous raconter n'importe quoi. Et il y a suffisamment de gens qui racontent n'importe quoi pour qu'on leur laisse ça. Donc voilà, vous avez un travail.
Il y a eu un groupe expérimental, un groupe contrôle, il y a eu des élèves de non-REP, de REP, de REP+. Vous avez les effectifs ici. On a travaillé avec 1500 élèves, ce qui n'est pas si mal pour un traitement statistique. Alors, je vais balayer très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a travaillé la reconnaissance des chiffres, quelque chose qui peut vous paraître inessentiel ou pas très important à l'école maternelle, détrompez-vous, c'est un des meilleurs prédicteurs de la réussite ultérieure en mathématiques. Identifier, ne pas confondre et se remémorer les chiffres indo-arabes. La cardinalité, je vous en ai beaucoup dit, sur les collections équipotentes, sur les transformations, j'ai dit suffisamment de choses et je voudrais vous montrer simplement les résultats en moyenne section. Vous avez un groupe contrôle, GC, et un groupe expérimental, GE. Vous avez les non-REP, NR, et vous avez les REP, voilà. Et vous voyez que on a l'évolution. Alors attention, c'est ni le pré-test, ni le post-test, c'est ce qui a bougé. Alors vous voyez que tous les enfants ont bougé, c'est plutôt bon signe. Ils sont vivants, donc ils bougent, ils changent. Mais ce qui bouge le plus, c'est le groupe expérimental. Et il bouge de manière significativement supérieure. Ensuite, ce que vous voyez, pas forcément très bien, parce que vous n'êtes pas habitué à lire les interactions, c'est que ce qui bouge le plus, c'est le groupe expérimental, et c'est particulièrement le milieu REP. Vous voyez, la courbe orange est celle qui évolue le plus. Hein. Et évidemment, ça signifie qu'on a contribué un peu au moins à réduire les inégalités. Voilà les résultats en grande section maternelle. Alors cette fois, vous avez le pré-test qui est en haut à gauche. Vous avez le post-test qui est en bas à gauche. Et vous voyez intuitivement, bien sûr, que c'est le milieu REP, à gauche, du bas de la gauche, en quelque sorte, qui évolue le plus, qui progresse le plus, et ce qu'on retrouve avec le graphique qui est à droite, et qu'on pourrait commenter, mais qui va dans le même sens de la réduction des inégalités. Et pour terminer, je voudrais vous montrer trois diapositives qui porte sur des mesures plus limitées. Vous voyez, on a une épreuve de reconnaissance des chiffres, c'est-à-dire identifier les chiffres, ne pas les confondre, être capable de les identifier, de les dénommer. Vous avez à gauche le pré-test, donc vous avez tous les groupes possibles. Le pré-test, c'est en tout début d'année. Et comme vous le voyez, c'est même pas la peine de s'intéresser à la valeur des données numériques. Il suffit de regarder, c'est pratiquement plat, c'est-à-dire tous se valent. Et ce que vous voyez à droite, c'est le résultat au post-test. Et dans ce résultat au post-test, tout ce qui dépasse, ce sont les groupes expérimentaux. C'est-à-dire tous les groupes qui ont travaillé avec le protocole sont des groupes qui ont progressé significativement plus que les groupes qui étaient les groupes contrôle. En moyenne section, on a la même chose en grande section. Voilà. Je voulais vous montrer ensuite les relations plus moins autant. Alors, plus moins autant, vous avez uniquement autant ici. Hein. Vous avez les pré-tests avec autant qui sont à gauche et qui montrent que les performances sont assez moyenne. Ce qui est important, c'est de regarder le bond que font les performances pour autant dans les groupes qui sont les groupes expérimentaux. Vous voyez, on reste, par exemple, pour le premier groupe, les graphes de droite, le groupe qui est en orange, vous voyez que c'est un groupe contrôle, il reste en dessous de 1, 0,99, alors que l'autre a bondi à 1,40. Et puis on a des différences de même type, 0,98, 1,45. Ça signifie que le travail qui a été fait sur la notion de autant, par exemple, est un travail qui a beaucoup fait progresser les élèves
et aussi beaucoup fait progresser l'emploi de haut temps par les enseignantes. Voilà. Les additions, voilà, des additions qui sont en fait des transformations. Vous avez les résultats du pré-test à gauche et vous avez le post-test à droite avec l'accroissement systématique des performances pour les enfants qui ont suivi le protocole en grande section. Voilà, donc, conclusion, l'intervention a accéléré les progrès. C'est-à-dire, nous avons fait, conformément à ce que nous souhaitions, fait progresser les élèves par rapport au groupe témoin, en REP surtout, plus qu'en non-REP. Voilà. Peut-être parce que la marge de progrès était plus importante, ça nous ne savons pas toujours. Est-ce que ça dépend de l'école? Nous n'avons pas pu l'évaluer, mais ce qui est clair, c'est que la reconnaissance des chiffres, les expressions langagières, les opérations ont considérablement progressé. Et ce que nous avons fait, et sur quoi je passerai très vite, c'est que nous avons suivi ces élèves. Je n'ai pas comment illustrer ça, je pense qu'il est l'heure de terminer. Voilà. Nous avons suivi ces mêmes élèves en cours préparatoire avec les évaluations nationales. Donc, vous savez que les évaluations en CP, elles ont lieu en tout début d'année, en septembre, et elles ont lieu ensuite en janvier. Et nous avons donc, pour un certain nombre de classes, récupéré les résultats. Nous avons comparé les résultats de ces élèves avec des résultats d'autres groupes qui n'avaient pas suivi le protocole, qui n'étaient pas les mêmes que le groupe contrôle que nous avions avant. Et nous trouvons des améliorations dans un certain nombre de secteurs, pas tous. Alors il y a à cela une raison, c'est que les évaluations nationales ne sont pas faites pour évaluer les performances sur les domaines que nous avons travaillés. Mais on trouve des améliorations dans le domaine de la cardinalité, en particulier, au moins en septembre, et en janvier, nous trouvons plutôt plus de sous-domaines qui ont été concernés par ces progrès. Voilà, en d'autres termes, ce que nous cherchons à évaluer, c'est dans quelle mesure ce qui a été fait en école maternelle, à travers une activité ludique et avec une assez grande liberté pour les enseignants du point de vue des activités et de la façon dont ils les exploitent, rejaillit sur les performances de CP. Et nous espérons pouvoir suivre ensuite jusqu'au CE1 et conforter ceci. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'y réponds. Ah non, on ne fait pas les questions tout de suite. Si, on fait les questions tout de suite. J'imagine que l'acoustique de cette salle est suffisamment bonne pour que... Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette présentation qui montre à quel point le sens est important aussi, le fait de contextualiser, de proposer des supports très différents, symboliques, analogiques et autres, est important pour les jeunes enfants. Je me posais deux questions. D'une part, certains éléments semblent ressembler au programme Right Start de CASE, et donc notamment pour la dimension ajoute-retrait. Donc je me demandais dans quelle mesure il avait été en partie emprunté à celui-ci.
Et la deuxième question que je me posais concernait le retard en fait dans la pensée symbolique qui aurait été montrée par une autre collègue de psychologie, Véronique, mais je ne me rappelle plus son nom de famille, ça va me revenir, et qui faisait tout un travail d'entraînement, même en amont, bien avant, enfin pour les toutes petites sections de maternelle, les petites sections de maternelle, c'est ça, au niveau de l'entraînement, de tout un ensemble de dispositifs pour améliorer la construction de la fonction symbolique qu'elle trouvait retardée également dans en REP. Voilà. Alors, première question, non. Nous n'avons pas d'inspiration pour des raisons qui tiennent au fait que très probablement nous avons les mêmes sources d'inspiration, à savoir les résultats des recherches internationales, et que quand on s'appuie sur ces recherches, on aboutit presque inévitablement à décider d'une situation, en l'occurrence les ours, mais on aurait pu prendre les écureuils, les grenouilles, les lièvres, enfin n'importe quel. Et d'ailleurs, si un jour vous souhaitez utiliser ce genre de choses, il n'y a aucune raison que ce soit les ours. Simplement, c'est un animal qui est, dans les jeux des enfants, l'imaginaire des enfants, un animal perçu comme étant familier, agréable. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Concernant le deuxième point, vous avez parfaitement raison, on a des retards, en tout cas attestés, de la fonction symbolique chez les enfants, et évidemment, d'autant plus qu'on a affaire à des enfants issus de milieux défavorisés. Il y a eu toute une série, Utal par exemple a travaillé sur ces questions, et vous avez raison, plus on va pouvoir travailler précocement avec les enfants et plus on accroîtra la probabilité que l'évolution se fasse, en tout cas à partir de 18 mois. Nos collègues américains ont entrepris des travaux mettant en relation, alors le système scolaire n'est pas du tout le même que chez nous, mais ils essaient d'impliquer les parents, et notamment les parents, les mères célibataires, puisque c'est avec elles qu'on a les situations les plus délicates, et ils montrent effectivement des améliorations. Il y a eu aussi tous les résultats du programme Head Start, qui est un programme très ancien, 1965, mais dont on a pu montrer que quand les mères étaient impliquées, on avait des performances qui s'amélioraient plus. Nous avons travaillé en petites sections, en fait, mais les résultats que nous avons eus sont beaucoup moins convaincants. On avait moins d'enfants et on cherche à poursuivre le travail dans ce domaine. En tout cas, merci pour vos questions. Bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais vous poser une question sur la définition que vous mettiez sur l'ordinalité. Vous la situiez comme le principe de successeur. Et à la fois dans les exemples que vous donnez, si j'ai bien compris, vous activez ça avec la taille des ours ou éventuellement les séquences avec le lavage du chien. Et donc en fait des variables continues qui sont la taille ou le temps. Et pour moi, précisément, des variables qui n'ont pas de successeur. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez éclaircir ce point. Et le deuxième aspect, qui est peut-être un peu lié d'ailleurs, pourquoi avez-vous choisi de ne pas travailler la droite mentale popularisée par Stanislas Dehaene en France et en particulier par le CSEN, qui semble être une des priorités d'un certain nombre de chercheurs et aussi en maternelle. Voilà. Je réponds à votre première question. En fait, on n'a pas beaucoup de temps sur une présentation comme celle-là, donc j'aurais dû dire pour ce qui concerne l'ordinalité, nous partons, comme pour la cardinalité, de situations dans lesquelles on favorise la relation entre les symboles et une illustration de cela, donc les assiettes qui ont des tailles différentes, les bicyclettes qui ont des tailles différentes,
Et puis au fur et à mesure, on va vers des illustrations qui n'ont plus ces qualités. C'est-à-dire où la relation entre ce que vous appelez à juste raison des grandeurs qui sont continues et puis des symboles qui sont discontinus ne sont plus présentes. Et donc nous allons vers une construction de l'abstraction de l'ordinalité, mais nous partons presque forcément de situations dans lesquelles l'ordinalité est associée au symbole. On fait la même chose avec les cardinalités. Par exemple, nos collègues ont montré que pour les enfants, la correspondance terme à terme est beaucoup plus facile à établir quand ils sont jeunes si les entités se ressemblent, par exemple des escargots et des billes, mais elles sont beaucoup plus difficiles à établir si on a par exemple des escargots et des petites voitures. Autrement dit, le fait qu'initialement il y ait une distance pas trop importante entre ce qui est concret et puis ce qu'on veut qu'il soit abstrait semble jouer un rôle important, et on peut établir comme ça des niveaux progressifs d'abstraction. Donc mais vous avez parfaitement raison, et on a évidemment pensé à cette question. Alors, la question de la ligne numérique. Bon, d'abord, il y a des lignes numériques. Vous savez ça comme moi. L'idée de la ligne numérique repose sur une idée qui est très ancienne, en fait, qui est l'idée selon laquelle nous aurions une représentation mentale des grandeurs qui serait sous forme de ligne mentale, et c'est sur cette représentation qu'on établirait peu à peu des unités discrètes. Enfin, vous savez ça au moins aussi bien que moi. Il y a eu des travaux dans les années 80 par un Américain qui s'appelle Sigler, qui a développé de manière totalement autonome des travaux de Dehaene toute une série de recherches sur cette question, et finalement c'est beaucoup plus tard que les deux se sont rencontrés et qu'ils ont fait une sorte d'alliance pour défendre. Alors Sigler avait montré que quand on entraînait des enfants de milieux défavorisés, mais 8 ans, avec une ligne mentale, et que ces enfants progressaient, non seulement ils progressaient dans la représentation spatiale, mais ça avait une incidence sur un certain nombre de traitements calculatoires, en fait, sur du calcul. Et bon, ceci a été un argument de Stanislas Dehaene pour développer cette idée. On ne l'a pas fait. On est en train actuellement de regarder, parce qu'il y a eu beaucoup, vous le savez comme moi, la première année où cette notion, cet exercice a été introduit en CP, ça a été à la fois très mal vécu par les enseignants, puisqu'il n'y avait pas d'initiation préalable, et en même temps, ça a été une source d'échecs extrêmement importante. Les travaux qui avaient été conduits préalablement l'avaient été souvent avec des lignes numériques d'une taille réduite et avec des unités de 0 à 10, on pourrait même penser de 0 à 5. Il est vraisemblable que nous y viendrons un jour ou l'autre, mais nous passerons à ce moment-là sans doute par la motricité, c'est-à-dire par l'exercice physique d'une ligne mentale qui sera en fait une ligne physique. Et nous sommes en train de regarder ce qui serait possible de ce point de vue-là. C'est-à-dire, vous voyez, dans la même démarche qu'ici, c'est très abstrait, la ligne, telle qu'elle est conçue. Même si on dit qu'il y a une sorte de ligne mentale qui serait là, qui serait une sorte de propriété de l'esprit, même si on dit ça, le problème d'élaborer ça suppose une démarche, et donc la question que nous nous posons, c'est celle du passage de la perception, et elle peut se faire à travers la motricité, par exemple, le jeu de la marelle, par exemple, ou bien des jeux de parcours simples.
pour passer ensuite à un niveau d'abstraction qui serait la représentation schématique, et qui serait ensuite l'utilisation des symboles. Et à ma connaissance, pour l'instant, on n'a rien qui ressemble à ça. Et donc ça suppose qu'on construise un protocole nouveau, ce que nous n'avons pas encore fait, parce que ça ne nous paraissait pas une priorité, même si c'est dans les évaluations nationales. C'est pas... Voilà, j'espère que je réponds à... que j'ai dit au tout début, de ma présentation, c'est très important de penser les choses dans une perspective dynamique qui est celle d'un apprentissage. Comment peut-on, si, le rôle du pédagogue, le rôle de l'enseignant, ça n'est pas de prendre le monde tel qu'il est, c'est de s'organiser pour que les performances s'améliorent. On est donc inévitablement conduit à se demander, non pas si la ligne numérique c'est la vérité, pour aller vite, et j'ai rien contre ça, hein, et pourquoi pas, mais si c'est la vérité, alors comment je fais pour y arriver? Et notamment pour aider les élèves à y parvenir. C'est pour ça que, vous voyez, la démarche qui a été proposée ici, qui est toujours une démarche du type « je perçois », parce que ça, on est à peu près sûr. Enfin, on pourrait regarder, il y a des travaux sur les sourds, il y a des travaux sur les aveugles qui sont intéressants. Hein. Bon, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais comment peut-on amener les élèves à passer de la perception à quelque chose qui est une semi-abstraction, une ligne schématique, et ensuite à quelque chose qui est la représentation du principe du successeur, ou, vous voyez, pour nous, pour moi, hein, psychologue, voilà, tout ça, cette démarche-là n'est pas actuellement dans le guide que vous évoquez. Et il me semble que c'est cette démarche-là qui est de notre... comment ? De notre devoir. Bon... Le timing nous rattrape. Donc, à moins une dernière petite question, sinon... Oui. Allez. Alors, merci pour votre brillante exposé. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une... vous avez mené des études sur les compétences arithmétiques chez les enfants dans une approche interculturelle. Étant donné, vous avez bien souligné, interculturelle. Étant donné que dans votre exposé ou votre présentation, vous avez émis une idée des inégalités qui existent dans le monde. Oui, oui. Alors, évidemment, là, si vous me laissez une heure, je peux. Si vous me laissez une minute, je vous réponds oui. D'abord, il y a des travaux extrêmement importants et qui nous obligent à nous décentrer de notre occidentalité. Puisqu'on trouve des cultures dans lesquelles il n'y a pas de système verbal, au-delà de 2-3, hein, par exemple en Amazonie, hein, ou dans certaines peuplades d'Australie, et on a commencé à étudier, ben, notamment dans le groupe de Stanislas Dehaene, il y a Pierre Picat qui est linguiste, il y a Véronique Izard qui est polytechnicienne, qui ont commencé à travailler sur ces questions. Il vient d'y avoir une synthèse remarquable par un monsieur qui s'appelle Hao Shaughnessy, qui vient de publier en 2022 une sorte de synthèse dans laquelle il montre que dès qu'on a une scolarisation des enfants, alors les enfants évoluent et améliorent leur performance. Et il montre aussi que ce qui est probablement à la source des progrès, ce sont les échanges économiques. C'est-à-dire, chez les adultes, ce qui fait bouger les représentations, ce sont les échanges économiques. Et on a d'autres
Donc ça expliquerait le fait que dans l'histoire, c'est autour de Sumer, c'est en Perse, c'est dans les cités-états de Mésopotamie que se sont déroulées les premières acquisitions, les premières mises en place des symboliques numériques. En tout cas, oui, il y a des travaux là-dessus. Merci.